Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en euh, cette petite journée. Donc, évidemment, euh, petit hommage rendu à cette magnifique vidéo qui a été faite par Amazing LP euh, qui a révélé quelques cartes euh, hier de l'extension. Donc, je vous mets le lien dans la description. C'est sur la chaîne officielle Hearthstone euh, France et la chaîne également inter. Euh, moi, je l'ai pris sur Hearthstone France. Euh, je vous invite à aller la regarder. C'est vraiment une dinguerie à chaque fois ce qu'ils font pour euh, révéler les cartes. Du coup, aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle nous allons analyser euh, le directeur Keltuzad. Keltuzad, carte mythique, créature mythique de World of Warcraft, hein, euh, dernier boss de Nax Ravas, pour ceux qui se rappellent un peu, et du coup, euh, directeur de cette académie Scholomance que nous allons euh, découvrir ensemble jour après jour jusqu'au 6 juillet, date de sortie de l'extension. Et l'idée de cette vidéo était de voir ensemble comment profiter de cette carte finalement. Parce que là, on le voit dans la vidéo, on fait euh, Keltuzad et Baston. Étant donné que le calculade résiste à la baston, son effet de salve se, dé... se déclenche puisqu'il va invoquer toutes les cartes détruites par la baston. Donc on petit rappel, l'effet de salve, qu'est-ce que c'est Premier sort que vous allez faire quand la créature est sur le board, ça va déclencher cet effet. L'effet ici, quel est-il Invoque tout serviteur détruit par le sort. Du coup, nous allons euh, regarder ensemble quelles sont les classes qui pourraient en profiter. Mais d'abord, on va établir ensemble comment finalement profiter de cette carte. Comment. Euh... Comment on pourrait faire en sorte d'avoir euh, finalement un effet qui se mette plutôt bien euh, avec cette carte-ci. Donc pour cela, on va se mettre sur Hearthstone et on va euh, réfléchir ensemble. Donc globalement, pour profiter de cette carte, faut pas espérer la poser et faire un gros sort, je pense. Donc pour clarifier les choses, par exemple, si vous faites un néant ou une plaie des flammes, étant donné que le Kaladesh va mourir, son effet ne va pas se déclencher. Il faut absolument qu'il reste. Euh, sur le board. Donc pour moi, le meilleur moyen de l'utiliser, c'est de le poser et dans le même tour utiliser un effet de destruction. Donc typiquement, pour moi, il y a une classe qui arrive tout de suite, euh, qui arrive tout de suite directement euh, et logiquement, je pense, euh, sur le devant de la scène, c'est le prêtre. Pourquoi le prêtre Parce que le prêtre peut facilement sur T7 poser ce directeur qu'elle et utiliser par exemple un mode long de mort qui fait que pour 7 de mana vous allez tout simplement avoir votre 4-6 et la créature que vous tuez en face. <coughs> Excusez-moi je tousse un peu. Donc je pense que ça déjà c'est très 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 intéressant. Euh, donc typiquement par exemple votre adversaire sur le tour 7 vous fait Bran. Il y, y a beaucoup d'exemples qui vont sortir avec Bran parce que je pense que c'est le truc le plus violent. Vous faites ce directeur qui est du Zad, l'ombre Mort sur le Roi Crush et vous récupérez un Roi Crush qui peut soit trade soit les face. Bien que j'ai tendance à juger les joueurs qui ne mettent pas le Roi Crush Face, vous le savez. Euh, voilà, donc globalement, c'est quand même assez intéressant. La synergie qui la rend vraiment intéressante en prête, c'est que ça marche également avec le Shadow War Pain. Si vous voulez récupérer par exemple une 3-6 pour 4, typiquement le potentiellement un grand ligne hein, qu'on a découvert hier ensemble ça se met euh, plutôt bien. Avec pénitence également, ça se passe euh, plutôt bien. Donc c'est un moyen assez facile d'utiliser euh, la carte finalement, je pense, en prêtre. Après avoir, si les archétypes prêtres auront envie de voir le euh, directeur qu'ils utilisent. Deuxième classe qui, selon moi, peut bénéficier très, très, très facilement de cette carte. Euh, je pense que je ne vais pas vous surprendre, c'est le guerrier. Pourquoi le guerrier Parce que le guerrier dispose... De deux des removals, donc ce qu'on appelle removals, c'est des cartes qui détruisent des, cré des créatures les, plus, les moins chères du jeu, pardon, et les plus efficaces, pour revenir un peu à ma première pensée. Donc exécution, détruit un serviteur blessé pour deux, donc vous posez votre Kel'Thuzad et vous faites cette exécution, ce qui fait que pour cette, bah, vous allez encore une fois récupérer une deuxième créature, ce qui est vraiment pas mal. Mais la carte qui me vient le plus à l'esprit dans un guerrier contrôle, utiliser le Shield Slam. Je pense que ça va être très très efficace parce que là, du coup, on passe sur un combo qui coûte 6 mana. Et pour euh, 6 mana, le fait d'à la fois détruire les... une créature adverse et développer du board, c'est très embêtant parce que du coup, votre adver... ce qu'on appelle un tempo swing dans Hearthstone, c'est les meilleurs tours. Parce que en plus de gérer le board adverse, vous allez avoir l'initiative parce que vous allez être celui qui va avoir du board et l'adversaire non. Donc ça va être très compliqué pour l'adversaire d'également tempo swing, c'est-à-dire clean votre board et développer. Parce que quand votre adversaire passe, le temps juste à, passe son temps à juste clean votre board, bah au final, vu qu'il y a un sur le board, vous avez ce qu'on appelle l'initiative et c'est vous qui développez et qui mettez la pression. Donc voilà, en guerrier, euh, on, est, on est sur deux cartes là, qui se mettent plus ou moins bien avec. Alors attention, chez le slam et exécution, tout comme le mode long-mort, c'est des cartes que vous allez jouer dans tout guerrier ou dans tout prêtre. Donc au final, le but de votre deck ne va pas être de développer cette combo, mais c'est juste un plus. Et le fait que ce soit un plus, c'est quelque chose qui est quand même assez agréable, je pense. Euh pour le coup, alors évidemment, il y a le combo de la vidéo avec baston, mais pour ça, il faut gagner la baston, il faut s'appeler Odemian. Euh, moi, personnellement, j'avoue que ce combo-là, j'y crois un peu moins. Par contre, avec plaie de la colère, ça peut être marrant. Mais après, pareil, ça coûte 10, donc c'est pas un combo qui est reliable. C'est pas un truc sur lequel on peut se baser pour construire son deck. Par contre, ça peut arriver en game de temps en temps et faire un, un souvenir sympa. Alors, on a évidemment passé les deux classes les plus. Euh, comment dire Logique, et maintenant je vais vous donner selon moi les classes avec lesquelles euh, ça tape pas à l'œil, mais il y a moyen de faire des trucs. Alors la première c'est démoniste. La première c'est démoniste, pourquoi Parce que démoniste a également cette faculté à potentiellement gérer des créatures pour un peu moins de mana. Donc la première c'est le Mortal Coil, si votre adversaire a une créature un peu moins forte, qui est, qui, a, qui est déjà blessée, donc ça permet à la fois de piocher, de la tuer et de développer une créature grâce à l'effet de Ketfuzan. La seconde, ça va être la pluie de feu. Ça va être la pluie de feu. Cependant, en démoniste, le problème, c'est que vous n'avez pas énormément de dégâts à mettre, faut faire attention. Parce que l'effet de salve, c'est, euh, la première fois. Donc, euh, c'est à dire que si jamais vous vous accordez pas et que vous détruisez par exemple une créature avant d'en détruire une autre, ça va seulement invoquer la première que vous allez détruire. Donc, c'est pas forcément facile en démoniste. Mais, donc, typiquement, j'en parlais un peu avec la plaie des flammes, ça ne marche pas. Euh, donc c'est plus avec le coil, la pluie de feu pour potentiellement contre aggro invoquer plein de créatures ou alors plus logiquement et plus facilement le souffle du néant qui va rester je pense jusqu'à sa disparition en standard une des cartes les plus fortes je pense du démoniste euh, notamment grâce à son vol de vie puisque le démoniste vous le savez a tendance à beaucoup beaucoup utiliser ses points de vie comme ressource. La dernière classe euh, qui selon moi peut en profiter et là par contre il peut vraiment en profiter. Mais je la mets en dernier parce que, actuellement, c'est une classe qui pose beaucoup de questions en raison de son power level qui est un peu inférieur aux autres classes. C'est le shaman. C'est le shaman parce que le shaman a une carte qui est très très euh, sous-évaluée en raison du power level général de la classe. C'est celle-ci qui a été euh, buffée récemment. Et l'idée, c'est que si jamais cette carte est réduite, ce qui doit arriver tout le temps quand vous construisez votre deck un peu autour, bah. Vous pouvez pour 6 mana euh, faire Kel'Thuzad et Torrent, par exemple sur Roi Crush. Euh, donc cette carte inflige 8 dégâts à un serviteur, elle coûte 3 cristaux de moins, un sort, se présente, donc 1. Et je pense que les combos les plus efficaces avec Kel'Thuzad seront les combos avec des cartes à 1 et non à 2. Et c'est pour ça que je crois beaucoup plus en Shield Slam et Torrent qu'en Shadow Word Death, même si Shadow War Death sera forcément joué avec. Mais ah, je trouve qu'avec Torrent, c'est complètement craqué, ça gère n'importe quel créa ou presque. Et le fait d'invoquer n'importe quelle créa au presque sur le T6. Ce qui fait que sur votre T6, finalement, là où à une époque poser une savane était fort, là vous allez avoir une 4-6 et une grosse créa. Je pense que c'est giga broken. Mais le problème, c'est que bah, ça rentre pas dans tous les decks. Il faut que ce soit des decks qui, qui vont avoir tendance à gérer les, les ressources, finalement. Et du coup, euh, je pense qu'en shaman, ça peut être intéressant. Typiquement, avec tempête de foudre, euh, ça peut permettre de gérer plusieurs créas et donc de les réinvoquer. Il euh, n'y a pas d'autres euh, ressources, puisque le problème du shaman c'est que par exemple avec le maléfice bah, ça va le transformer. Donc, typiquement, avec des cartes comme mouton ou maléfice ça ne marchera pas. Euh, avec le devolve ça ne marchera pas non plus. Mais globalement, je pense qu'avec cette carte, la carte est super 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 intéressante. Et du coup, le fait que visage soit neutre va permettre peut-être à d'autres classes, pas d'émerger, mais au moins d'être euh, jouable. Et euh, voilà pourquoi, selon moi, c'est un Instacraft quand elle sort. Elle n'est pas super, super forte parce qu'elle rentre pas dans tous les decks. Ce n'est pas un Zilliax. Mais elle permet d'avoir des perspectives de deck build qui sont très intéressantes. Et, euh, et je pense que c'est archi cool. En voleur, en voleur c'est un peu plus compliqué d'acheter une grosse créature. Mais typiquement, si sur le T5, vous faites quelque chose de backstab sur une 3-2, ce n'est pas scandaleux, je pense, sur le T3 pour avoir de la, de la pression. En Hunter, je pense que ce ne sera pas la carte que vous allez chercher. En Mage non plus. Euh, en Mage, le Mage a tendance à geler ou à infliger des dégâts petit à petit. Euh, en Seigneur de démons, je n'y crois pas non plus. En Chasseur de démons. Seigneur de démons. Je n'y crois pas non plus. Et en Druide. Euh, Avec l'acclimatation, je pense que ça aurait été très intéressant cependant d'aller en Wild. Et actuellement, la Charpie est en Wild également. Il n'y a pas vraiment de, de, de sorts qui vont vous assurer de gérer une créature. Il y a la colère, évidemment, qui peut terminer une créature, mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément foufou. Donc, euh, voilà, je pense que euh, la carte va être très, très, très intéressante. Euh, c'est la petite vidéo analyse du jour, c'est mon avis sur, sur Keltuzan. Dans 3-4 mois, si jamais la carte n'est pas jouée, on la ressortira et on se tapera des barres. Mais voilà, j'espère que vous allez me partager vos avis dans les commentaires, parce que je pense qu'on tient une, une pépite, en fait, une pépite, tout simplement, dans cette, dans cette, dans cette vidéo. Enfin, dans cette, dans, dans, dans cette extension, pardon. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Euh, Abonnez-vous si ça vous a plu. Et rendez-vous ce soir pour peut-être les cartes du jour. Ça sera un peu plus tard, ce sera vers 22h ce soir la, la vidéo des cartes du jour. Donc voilà, je compte sur vous pour être là. Des bisous. Ciao